de Saint-Exupéry et un aviateur écrivant français. Je vous dis brièvement ma carrière de pilote. Quand l'homme a observé les oiseaux et voulu planer dans les rangs communs. Et au cours des derniers siècles, il a réalisé ses rêves mondiaux. Moi, j'ai fait l'école, l'académie, l'école de l'air. Son deuxième roman, Vol d'ennemi, 1931, était dédié à la gloire des premières pilotes des lignes et à leur exaltation mystique. L'avion a une date de naissance précise. C'est le 17 décembre 1903, lorsque les deux frères américains O'Neill et Wilbur Wright créent le premier véhicule capable de décoller. L'avion sur lequel oui, je fais la meilleure expérience, c'est le T6. J'ai volé sur le T6 quand j'étais aux États-Unis. Il a utilisé son avion comme instrument pour explorer les mondes et découvrir la solidarité humaine dans les efforts fraternels des hommes. Alors, pour ça, c'est assez facile à répondre, parce que nous sommes la preuve que les Français, c'est utile dans la carrière des pilotes. Un avion vole grâce à l'écoulement de l'air autour de l'aile, produisant un effort aérodynamique. L'importance perpendiculaire au vent relatif vers le haut. Le traîner parallèle au vent relatif vers l'arrière. La tempête provoque des violentes collisions entre particules, et ces collisions, en plus des crêpes et de la sorte d'un horizon, sont aussi la base des spectacles de nature. Les aurores polaires se créent avec des particules de chaleur du soleil qui entrent en contact avec l'ionosphère terrestre. Les Vikings et Norvège ont vu des flammes divines de l'au-delà dans les aurores boréales. Quand on aspire de l'air, tes poumons se gonflent. L'oxygène de l'air est alors capturé par le sang, dans tes poumons. Ce sont les globules rouges. Ils voyagent dans ton corps. Et l'oxygène qu'ils transportent peut être libéré. Là, tu en as besoin. Dans tes muscles, pour que tu bouges. Dans ton cœur, pour qu'il batte. Dans ton cerveau, pour que tu penses. À la fin du voyage, les sacs ne contiennent plus d'oxygène. Les premières pages de l'ouvrage La critique de la raison pure, après avoir parlé de l'extraordinaire nature de la science mathématique, Kant introduit l'image de la colonne en vol. Sculpteur hollandais s'inscrit dans la mouvance de l'art cinétique, basé sur l'art du mouvement. Il ne faut pas jamais entraver les rêves, donc c'est vraiment le carburant de la vie. Il crée des sculptures vivantes, animées par le vent. Il nomme cette création des strimbestes, bêtes de plage. Ces sculptures cinétiques prennent ainsi la forme d'animaux imaginaires qui semblent prendre vie avec le vent. Pourquoi pas dans un futur, pourquoi pas l'idée de devenir astronaute, c'est très bien.